vous présente Musica. L'intemporel bohème de Puccini ou l'émotion à l'état pur. Musica revient sur les plus belles scènes d'une répétition générale filmée ce printemps à l'Opéra de Zurich avec Juan Diego Flores et Ruzan Mantachian dans les rôles du poète passionné Rodolfo et de la couturière Mimi. Je crois qu'on pleure tous quand on voit la bohème, parce que cette histoire est universelle. Les personnages nous parlent à tous. Je pleure que je sois dans le public ou sur scène. Pour moi, Puccini a cette faculté incroyable de nous toucher directement en plein cœur. Dès sa première en 1896, la bohème, avec ses airs inoubliables, a envoûté le public. C'est Che Gelida Manina. C'est un moment de douceur. Il ne faut pas oublier que tout est sombre. C'est l'obscurité. Et donc, il touche la main de Mimi et dit Che Gelida Manina. En réalité, c'est une déclaration d'amour à la vie. Les caractéristiques de la composition de Puccini accentuent l'intensité du drame. Grâce à son orchestration, tout prend une autre dimension et cela nous donne des frissons. Je crois d'ailleurs que la musique d'Hollywood est inspirée de Puccini. Quand le cinéma est apparu, tout le monde a imité ce genre de musique parce qu'elle nous transporte véritablement. La dernière scène est si émouvante. Parce que l'intégralité de cette musique évoque le passé. Ce sens de la nostalgie nous touche. Et encore une fois, cette musique ressemble tellement à celle d'un film. Mimi sait qu'elle est en train de mourir et elle l'accepte. C'est quelque chose qu'elle m'a appris, qu'il faut vivre le moment présent avec ce que vous avez à disposition. Vous pouvez rester prostré, pleurer, être malheureux, ou alors vous pouvez aller de l'avant et vivre votre vie en faisant de votre mieux. La passion de la musique avec Rolex.